Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Flix Gaming. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Good Pizza. Donc, ce jeu est en anglais, hein, donc au moment qu'on peut changer, non, on peut pas. Donc, nous allons commencer ensemble. Enfin, j'espère qu'il est pas en... Comment vous lire ça? Attendez, attendez, attendez. Donc, ce que disait la petite dame. Attends, c'est que en fait, je viens d'ouvrir mon magasin, je suis une deuxième pizzeria assez cool, assez chic, donc voilà. Oh, une pizzeria. Bon, je suis pas très bon en anglais non plus, donc. On prend la pâte. Oh, c'est... Attends, j'aime quand il y a plein de... Plus il y en a, mieux c'est. Alors... D'accord, voilà, on est en train de cuire. Oh, mais c'est parfait. Et voilà. Bon, je parle pas tellement parce qu'en fait c'est la première fois que je découvre ce jeu. Parfait. Bon. Je fais des erreurs en anglais, je... On est 3 dollars. Bonjour. Alors, elle avait une pepperoni. Ok. Enfin, elle, lui, il veut une pepperoni. Oh. Bon, je... D'accord. Cheese, please. Fromage. Attendez, un petit peu. C'est ça une fromage. Mettre un petit peu en dessous ici. Voilà, maintenant. Bon, bonjour. Une au fromage. Bon, bah, tu me demandes une au fromage, madame. T'es content. Attendez, 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 faut que je me concentre parce que... Elles sont plutôt belles ces pizzas. Hein. Pizza, is pizza. La pizza est une pizza. Bah, heureusement que la pizza est une pizza. Et ils ont pizza.
Quand tu veux une pizza, madame. Hein. D'accord, donc en fait, ce truc-là, c'est la patience du client. Tenez. Bon, je comprends pas tellement bien en fait ce qu'ils disent donc. Parce que en fait c'est des trucs que je. D'accord. C'est des trucs que je ne connais pas tout tellement bien donc. D'accord, donc aujourd'hui en profit, on a gagné 10$. Pour notre première journée, c'est plutôt pas mal. Mais c'est excellent. Allez. Lui, c'est le monsieur d'en face. Il veut une pepperoni. Hop là. Hop là. Hop. Pepperoni, il me semble que c'est avec les chorizo. Hein. Bon, pour moi, c'est comme ça une pépéronie, hein. Après, toi, t'es un méchant, toi. Tiens, prends du. Prends des couverts dans ta gueule. Tu peux pas faire. Oh merde. Voilà. Bim. Attendez, on va faire un truc assez cool. J'ai essayé de faire en part égale, hein, mais bon. Oh, ça va, c'est des parts très égales. Oh, c'est une pizza réelle. Pizza doggy. Allez, il faut un nouveau client. Oh, une dame. Pepperoni. Ok. Alors, c'est juste une pepperoni avec du fromage. Tu veux beaucoup de fromage, voilà. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2. J'essaie de rester concentré parce que c'est pas facile de jouer avec tout ça, donc. Regardez. Pepperoni and cheese. L'enfant, t'as l'impression qu'il est handicapé parce qu'il est un. Bon, ouais, on va pas se moquer des handicapés, hein, c'est pas leur faute. En attendant, nous on fait nos pizzas YOLO. Franchement, je deviens addict à ce jeu. Alors, oh, c'est magnifique, vous faites de superbes pizzas. J'ai un peu n'importe quoi. J'aimerais acheter une pepperoni. Ok. Merde. Il aimerait une pepperoni, le monsieur. Bon, vu qu'il m'a l'air bien gourmand. Alors, monte-moi ma chose. 1, 2, 3. Et voilà la chorizo du monsieur, elle est là. Et où? Ah. C'est parce qu'en fait j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Monsieur, t'as l'air gentil. Tu me fais penser à un Italien. Bon, ouais, au moins, t'as ton chorizo, hein. Voilà. Hop, tu peux pas dire qu'elle est mal faite. I just want to hug this pizza from
J'arrive pas à lire, ça va trop vite. Pepperoni. Ok. Monsieur, je te fais une pepperoni. C'est parti. Oula. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis addict à ce jeu en fait. On essaie de faire ça le plus vite possible, comme ça moi on gagnera des sous dans notre petite caisse ici. Oh bon. Oh la pepperoni était délicieuse. Bon, fin de journée. Bon. On a gagné 8 dollars. Nous avons 19 dollars. Nouveau jour. PNN. Ça fait un demi-jour. Alors, la pepperoni. Alors, en fait, là, il est en train de dire que je fais concurrence avec celui-ci. Parce que lui, en fait, il fait un peu de bonnes choses. Et moi, en fait, vu que j'ai juste d'ouvrir, en fait, ça va être dur. Donc, j'ai mis le concept. D'accord, donc les me disent, vous faites de très bonnes pizzas, voilà. Bon, à tous les Anglais ou les Américains qui regardent mes vidéos, je suis nul. Oh, tu veux une pepperoni and half cheese? Tu veux, mais je sais pas ce que c'est. Hein. Je vais te faire une bonne grosse pepperoni avec beaucoup de sauce tomate. Hein. Beaucoup de cheese, hein, c'est ça. Attendez, c'est pas ça. 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. On va en rajouter un. On fait une dernière journée, hein, après. Le monsieur, il est... Oh putain, mais c'est le mec de la télé. Maintenant que je remarque, c'est le gars de la télévision. Enfin, le gars des infos, je devrais dire, mais bon... C'est le monsieur de la télé. C'est une victoire en fanfare. Je reviendrai vous racheter des pizzas. Oh là, la madame, elle est toute fine. Toi, tu veux la pepperoni, toi aussi, hein. En fait, les gens, ils viennent rien que pour mes pepperoni. Pas trop fromage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Oh là là. Bon, je sais plus combien il y avait tellement, mais bon. C'est rigolo, c'est rigolo. Oh, c'est sympa. On est pas mal, on est pas mal. Là, on peut se faire encore une pizza. Oh, votre pizza est très belle. Beautiful, c'est dire beau. Donc, pour moi, c'est une pepperoni. Bon, elle, c'est une madame qui hésite, donc... trash. Est-ce qu'on fout un peu de machin à trash? Madame, si tu viens, c'est pour une pepperoni. On va s'improviser une petite technique de à la pepperoni. What? C'est quoi ça? Ah, c'est fini. Hop. Bon, je la coupe vite fait. Hein, je... Oh, elles sont très bonnes.
Je reviendrai une seconde fois vous vendre des pizzas. Cher, ça veut dire partager. Elle va partager ça. Et bien sûr, ce, nous allons nous arrêter là. N'oubliez pas les pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de lâcher les commentaires. Je vous dis à bientôt. Allez, salut!